En route vers Pâques, profitons de ce premier dimanche du carême pour nous dépouiller de tout ce qui nous encombre afin de mieux discerner la présence de celui qui nous accompagne chaque jour de notre vie. La célébration sera présidée par André Drapeau, aux lectures Angéline Guérin, France Tremblay. Accueillons cette bonne nouvelle. Levons-nous. Vivons en enfant de lumière sur les chemins où l'esprit nous conduit. Que vivons-nous le nom du Père? L'heure est venue de l'exode nouveau. Voici le temps de toujours avant la Pâque, vous commencez l'ultime étape. Vivons en enfant de lumière sur les chemins où l'esprit nous conduit. Que au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour libérateur de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour à vous tous. Quelle joie de vous voir pour plusieurs d'entre vous, que ça fait longtemps qu'on s'était vus. Alors ça me fait plaisir de voir que vous êtes toujours là, que vous faites partie des vivants. Alors bienvenue. En ce début de célébration de notre démarche vers le carême et vers Pâques. Bienvenue également à ceux et celles qui sont présents sur le web et qui nous accompagnent pour cette célébration. Au moment où nous prenons ensemble la route vers Pâques, nous entendons l'appel de Jésus. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile, texte qu'on utilisait lors du dépôt des cendres, mercredi. Le carême est un temps propice pour revenir au Seigneur de tout notre cœur. Il nous accueille les bras grands ouverts et nous offre son pardon. Seigneur Jésus, toi qui as surmonté les épreuves de la tentation dans le désert, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui guéris les cœurs blessés et les ouvres à la nouveauté, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui guéris les cœurs blessés et les ouvres à la nouveauté, prends pitié de nous. Alors, Joël, maintenant, va prendre une des bûches de notre visuel pour la déposer devant l'autel. C'est le poids de nos péchés qu'on met devant le Seigneur qu'on lui offre. C'est un geste qu'on va répéter chaque dimanche du carême. Donc, on va faire diminuer notre pile. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir, écoutons la parole de Dieu. Alliance de Dieu avec Noé qui a échappé au déluge. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants
qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. Pour les générations à jamais, je mets mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. Parole du Seigneur. » Après chaque intention, nous dirons « Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Ensemble, tes chemins, Seigneur, sont d'amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Il est droit, il est bon, le Seigneur, qui lui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité. Le baptême vous sauve maintenant. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimé, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers les eaux. C'était une figure du baptême qui sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas, le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite, et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est la droite de Dieu, après s'en être en allé au ciel, là à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. Nous allons lire l'acclamation à l'Évangile. Ta parole Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur.
Veuillez vous asseoir. Vous savez, le carême comme tel, pour nous préparer à la fête de Pâques, a été institué au 4e siècle. De fait, c'était au départ pour préparer les aspirants au christianisme et à la réception du baptême. Ensuite, deuxième objectif, permettre aux chrétiens de renouveler la ferveur de leur propre engagement chrétien. Vous savez, le carême est pour chacun et chacune d'entre nous l'occasion soit de nous préparer au baptême, pour ceux et celles qui ont des enfants qui vont se faire baptiser ou des petits-enfants. C'est une façon de nous préparer pendant cette période-là, d'une certaine façon. Également, c'est l'occasion pour la plupart d'entre nous de renouveler notre engagement chrétien en alimentant notre foi à la parole de Dieu et en nous rappelant que nous ne vivons pas seulement de pain, comme dit Matthieu en chapitre 4. Pendant ces 40 jours, le Christ nous invite à nous joindre à sa révolution. Une révolution intérieure qui commence d'abord en chacun et chacune de nous. Vous savez, l'essentiel de ce processus de conversion est de nous attacher à la personne du Christ. D'ailleurs, c'est le thème un peu de notre démarche liturgique durant le carême, discerner sa présence. Alors, c'est dans la mesure qu'on s'attache vraiment au Christ, à la personne du Christ, qu'on sera capable de discerner sa présence et de découvrir quelle est véritablement notre mission. Une fois que ce lien est établi parfaitement, le mieux possible, nous pouvons plus facilement lutter contre le mal. On connaît bien la conversion de Saint Paul. Il n'était pas un grand pécheur, Saint Paul. Bien au contraire, car selon la loi juive, il était un homme irréprochable. Mais lorsqu'il a adhéré au Christ, à Jésus-Christ, ça a bouleversé totalement sa vie. Pendant ce temps de préparation à Pâques, à la fête de Pâques, l'Église nous invite et nous propose trois moyens pour raviver la flamme de notre engagement chrétien. Le premier, le jeûne. Le deuxième, la prière. Et le troisième, le partage. En ce premier dimanche de l'Avent, du carême, excusez-moi. En ce premier dimanche du carême, j'aimerais mettre l'accent sur le jeûne. Un élément qui n'est pas très favorable et très populaire dans notre monde et notre civilisation de consommation, mais qui demeure un des piliers importants de toute spiritualité authentique. D'ailleurs, depuis plusieurs mois, pratiquement un an, nous sommes habitués à pratiquer le jeûne qu'on nous oblige d'une multitude de façons, afin de respecter les consignes gouvernementales par rapport à la pandémie. Mais c'est une dimension seulement. Lorsque Jésus parle de jeûne, il ne s'agit pas de perte de poids, de pantalons trop petits, de taille ronde, trop forte, trop ronde. Il ne s'agit pas non plus d'aliments santé pour nous permettre de manger davantage. Non, il y a des raisons plus sérieuses de jeûner. Nous devons jeûner lorsque ça ne tourne pas rond dans notre vie. Et d'ailleurs, justement, c'est pourquoi nous avons été obligés à ces consignes du gouvernement, c'est à cause de la pandémie, et que ça ne tournait pas rond non plus. Mais quand Dieu aussi n'est pas présent dans nos propres vies personnelles, et qu'il est remplacé par nos faux dieux, nos veaux d'or, nos dogmes économiques, nos idoles de toutes sortes, lorsque les conflits familiaux conduisent à la violence et à la haine, lorsque nous refusons le pardon à ceux et celles qui nous ont offensés,
Lorsque nous sommes sous l'influence de nos mauvais penchants, de nos addictions de toutes sortes, c'est alors qu'il est important d'apprendre à jeûner et de faire le choix de jeûner. Non pas de jeûner parce qu'on est obligé, de jeûner parce que nous faisons le choix de faire un effort de changement. Et justement, les restrictions de la COVID, en raison de la COVID, nous invitent à vivre la solidarité. Hein? Vous savez, on nous répète ça souvent, afin d'aider les autres, afin qu'on puisse se libérer le plus rapidement possible de cette pandémie. Alors, par solidarité, on nous invite à faire attention et à éviter telle chose, que ce soit dans nos rapports humains, que ce soit dans nos relations sociales, etc., de tout genre, et même dans le travail. Alors, nous jeûnons aussi pour retrouver la solidarité avec la grande majorité des habitants de la Terre qui souffrent de sous-alimentation. Ils sont au-delà de 3 milliards qui meurent de faim chaque jour. Les innombrables personnes qui ne peuvent se procurer les médicaments dont ils ont besoin, comme la multitude de pays pauvres qui n'ont pas encore accès parce qu'ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas aussi la technique pour avoir les vaccins contre la COVID. Certes, on peut bien se plaindre, nous, Canadiens, qu'on n'a plus de pharmacie, qu'on dépend des autres, mais on a l'argent pour se l'acheter. Il y a bien des pays dans le monde qui ne peuvent même pas se le payer. Les millions d'habitants qui ont le virus du sida, les milliers de personnes qui, tous les jours, meurent le long des routes en Inde, le nombre incalculable d'enfants, de femmes, de personnes âgées, tués ou blessés par les guerres, les millions de personnes âgées qui souffrent de solitude et de manque d'affection, et nos personnes âgées aussi dans les centres des RPA et CLSC, on a vu le CHSLD, on a vu qu'est-ce qui s'était passé lors de la COVID pour nous, chez nous, que de souffrance, que d'inquiétude dans ces milieux. Les enfants qu'on oblige à travailler en bas âge, j'ai eu l'occasion, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit dans les pays d'Asie, de le voir de mes propres yeux, cette réalité. En fait, jeûner, c'est parce que nous voulons être solidaires avec tous ceux et celles qui portent le fardeau de la souffrance, de la maladie, de l'injustice, de la discrimination. Vous savez, le jeûne peut prendre plusieurs visages, plusieurs formes. Jeûne de nourriture, un peu tous les jours, ou 2 ou 3 fois par semaine. Jeûne de télévision, de magasinage inutile, de dépenses extravagantes. Bon, vous allez me dire, on a jeûné cette année pour ça, on ne pouvait pas l'acheter. Hein? Bon, mais ce que je veux faire saisir ici, que il faut que ce soit nous autres qui décidions. Ça, on ne change pas de mentalité de même parce qu'on nous a obligés à le faire. C'est moi qui dois décider d'éviter les dépenses inutiles, et non pas parce que je suis forcé. Vous comprenez un peu l'esprit dans lequel je le dis. Jeûne de partage avec ceux et celles qui vivent dans la misère. Jeûne de temps de nos loisirs, ce qui nous permet de faire du bénévolat, etc. Vous savez, ce dernier point du bénévolat, de plus en plus, on a de la misère à avoir du monde pour le bénévolat. Et en plus, avec la pandémie, bien des gens se sont assis sur leur derrière, à plus bouger, les bras croisés, puis à se contenter de la télévision quasiment. Comme si on ne pouvait plus rien faire. Certes, il y a des consignes de prudence, il y a des consignes qui nous sont données, mais il y a mille et une façons. Quand on se sent interpellé par l'isolement, par la souffrance de telle et telle personne, il y a une multitude de façons de communiquer avec elle et de nous sentir solidaires, d'aider autrement,
même si on ne peut pas avoir toute la liberté de le faire comme on voudrait. Ça, c'est important. Il faut être créatif, imaginatif dans ce sens-là, si on veut vraiment pratiquer ce jeûne. C'est surtout de fait, pendant ces périodes difficiles, que le jeûne peut nous aider à redimensionner nos priorités et nos objectifs, à faire des choix de nos activités, des choix de temps pour les personnes qui ont besoin de notre présence, de notre aide, de notre support. Le jeûne est un moyen efficace pour nous aider à trouver une alternative aux valeurs de notre monde de consommation, de cupidité, d'injustice. L'argent que nous épargnons sur les loisirs, la nourriture, le magasinage, le luxe peut être partagé avec d'autres. Notre temps et nos talents peuvent venir en aide à ceux et celles dans le besoin. Et c'est le Seigneur qui dit ceci, « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Dans ce contexte de pandémie, cela nous demande beaucoup de créativité et d'ingéniosité, mais aussi de volonté, de décider de le faire, ce jeûne, non pas par cause des restrictions, mais par choix de notre part. Nous sommes réunis ce matin au cours de cette célébration eucharistique. Demandons au Seigneur qu'il nous aide à le faire dans cet esprit-là, au cours de cette Eucharistie et au cours de ce carême. Amen. Redisons ensemble notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et attend sa vie, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Oui, j'établis mon alliance avec vous, dit Dieu à Noé et à sa famille. C'est à nous aujourd'hui que s'adresse cette parole. C'est pourquoi nous pouvons en toute confiance prier le Seigneur pour l'Église et pour le monde. Ensemble, conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Viens en aide, Seigneur, à l'Église, signe de ton alliance, que ce temps de carême ravive ton témoignage d'espérance, nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Accorde, Seigneur, ton soutien aux personnes qui souffrent, que ta présence leur redonne courage et paix, nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Révèle ton visage, Seigneur, aux catéchumènes qui seront baptisés à Pâques, qu'ils progressent dans leur connaissance de l'Évangile, nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Regarde avec tendresse, Seigneur, les jeunes du monde entier, que chacun et chacune trouve le chemin d'un avenir prometteur, nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Soutiens, Seigneur, nos communautés chrétiennes en quête de renouveau, qu'elles redécouvrent l'Évangile dans toute sa fraîcheur, nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Prenons quelques instants pour penser à nos propres intentions que nous voulons présenter au Seigneur. Ensemble, conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Seigneur, notre Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus sur les chemins rocailleux de nos déserts pour nous annoncer la venue d'un monde nouveau. Aide-nous
à marcher ensemble dans la certitude de son amour. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour condamner le monde. Je viens... Pardon. Je viens pour les malades, les pécheurs. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour les ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes, par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché, afin de célébrer d'un cœur pur les mystères pascal, et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et proclamons. Saint le Seigneur, Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure.
C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, en te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, afin que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux, les bénévoles au sein de nos communautés et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et nous pensons ce matin à M. Roger Despiens. Et nous pensons également à tous nos parents et amis défunts. Reçois-les dans ta lumière, dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur. Par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Pour nous aider à nous convertir, à faire cette révolution intérieure en chacun de nous, à l'invitation du Christ, il faut être unis à lui. C'est pourquoi ensemble, nous allons dire, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et comme Jésus nous l'a enseigné, en frères et sœurs que nous sommes, avec confiance, disons cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté soit faite et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour des siècles. Amen. » Alors, frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Partageons un sourire de paix avec nos voisins et voisines. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais ne soyons séparés de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent, alimentent pour l'éternel. Amen. Le corps du Christ. D'épreuve du désert, goût du printemps pour ceux qui ont souffert, que ta parole en manne qui nourrit, pleuve Seigneur sur l'homme d'aujourd'hui, car nous avons faim d'être ton Église. Car nous avons faim de donner ton pain. Car nous avons faim d'être ton Église. Car nous avons faim de donner ton pain. Pain d'abondance.
immense amour multiplié qui rassasiait un peuple d'affligés. Prends de nos mains le peu que nous avons. Comble, Seigneur, les pauvres de tes dons. Car nous avons faim d'être ton Église. Car nous avons faim de donner ton pain. Car nous avons faim d'être ton Église. Car nous avons faim de donner ton pain. Pain du partage en qui nous prenons corps, signe d'amour qui fait trembler la mort. Vin fraternel, promesse d'unité, fais vivre en nous, Seigneur ressuscité. Car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Prière louange. Seigneur, nous te louons et te rendons grâce, car tu es toujours avec nous comme un Père bienveillant. Parfois, le monde et la vie nous paraissent très difficiles. Pourtant, tu es là, bien présent, attentif à chacun et chacune de nous. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette présence constante dans nos moments d'épreuve et de doute. Merci pour l'espérance que tu déposes en chacun de nous. Amen. Alors, si vous me le permettez, je voulais juste adresser un mot de remerciement à Mme Charlotte qui a accepté de nous dépanner ce matin. On ne se retrouvait pas de chanteuse, il y a un petit problème de logistique. Puis Mme Charlotte était ici. On lui a demandé, elle a accepté généreusement de chanter pour nous ce matin. Sans ça, on se serait retrouvés juste avec l'orgue. Ça arrêtait bien aussi, mais c'était encore mieux avec vous. Merci, Mme Charlotte. Prions. Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Alors, c'est sûr qu'il y a Charlotte qui était extraordinaire de nouveau à la dernière minute de nous remplacer, hein, de nous aider à vivre. Parce que vous savez que chanter, c'est prier deux fois, hein. C'est prier deux fois. Ensuite, merci à tous les autres aussi qui aident à faire que cette célébration puisse avoir lieu dans notre Église et dans notre milieu. Redisons une dernière prière sur le peuple. Convertis-nous, Seigneur. Convertis inlassablement ton peuple. Si tu veilles sur nous quand nous t'oublions, en quel amour nous tiendras-tu quand nous reviendrons à toi? Par Jésus, ton Fils. Alors, que Dieu Tout-Puissant nous bénisse dans ses efforts au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bon dimanche, bonne montée vers Pâques, bonne semaine. Puis, chantons en chœur. Tout recommence. Tout recommence, c'est vrai. Tout recommence.
Prenons la route du désert où nous attend dans le silence un Dieu qui cherche un cœur ouvert pour lui offrir son alliance. Car au désert, tout recommence. Dernière chose que j'ai oublié de vous rappeler, vous savez, il faut toujours appeler le mercredi matin au presbytère pour réserver sa place pour pouvoir participer à la célébration eucharistique. Ce n'est pas une autre journée, là. Le mercredi matin de 9h à midi. En même temps, ce n'est pas tout le monde qui a accès au web. On peut informer les gens de notre entourage qu'il y a possibilité, en autant qu'on fasse cette réservation, pour pouvoir participer à nos célébrations eucharistiques. Alors, merci de votre collaboration et à la prochaine.